Je m'adresse à toi et Sylvia Bongo et Cézanne Gondé et ton gouvernement et à tous les émergents. On vous avait dit, moi-même j'avais fait des vidéos, j'avais dit ici à FC Bongo, les Panthères, Aubameyang et toutes ces, tous les joueurs, et Mwanga, tous ces joueurs, de ne pas organiser la CAN. Parce que Ali Bongo Ondimba et les émergents, parce qu'il y a les émergents et les bongoïstes. Toi, Ali Bongo Ondimba, tu as la tête dure. Il y a d'autres, il y a des artifices sur le terrain, dans le monde, en Europe, partout en Amérique, qui ont boycotté cette CAN, qui ont dit de ne pas organiser la CAN. Parce que le 31 août, il y a eu des morts. Il y a des leaders d'opinion qui vous ont dit de ne pas organiser la CAN. Ceux qui font les vidéos sur Facebook, dans YouTube. De ne pas organiser la CAN. Vous êtes entêté avec les émergents, toi, Ali Bongo, Ondimba. Il y a la presse écrite sur Facebook qui vont dire, qui vous ont dit de ne pas organiser la CAN. Vous êtes entêté. Il y a ici le peuple gabonais. Ils ont donné leur point de vue partout dans le monde, au Gabon, partout en Europe, des citoyens gabonais qui n'est pas d'accord avec votre politique de ne pas organiser la CAN. Il y a eu des morts. Pendant le coup d'état, c'est les Gabonais là-bas qui ont été tués. On a Landy Washington, on a Zebi Tege, on a Marceau, on a Basta Ondo qui est toujours en prison. On a d'autres compatriotes gabonais qui sont toujours en prison. Et vous, pendant que le peuple gabonais a des difficultés sociales sur le plan éducation, sur le plan professionnel, sur le plan de la santé, dans tous les domaines, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de... En tout cas, notre pays a des difficultés sur le plan social. L'argent que vous êtes allé prendre à Total, au lieu de demander ce prêt à Total, que ce prêt, bon, ce prêt d'argent que vous avez pu, peut-être 400 milliards à Total, au lieu de demander à Total que donne-nous les 400 milliards là, nous on ne gagne pas la CAN, nous on va régler les problèmes sociaux de notre pays. Soit d'injecter, de mettre ça par exemple dans la formation professionnelle, dans les nouvelles écoles. Dans l'eau, la construction des châteaux d'eau dans les 9 provinces, ça pouvait donner déjà améliorer le problème social de notre pays, puisque dans les 9 provinces, vraiment, il n'y a pas de châteaux d'eau. Dans les 9 provinces du Gabon, dans toutes les villes, les départements, injecter des 400 milliards là pour construire des châteaux d'eau, ou bien des logements en bois, ou bien en terre rouge, depuis qu'en terre rouge, ça se fait. 400 milliards. Non, ils étaient permis. Organiser la CAN, organiser les fêtes, les cérémonies, prendre les Gabonais dans les bus, transporter, payer la conscience des Gabonais. Mais tu as vu, je t'avais dit ça, notre activiste t'avait dit ça, que tu seras humilié au stade. Toi avec Sylvia Bongo, avec Cézanne Gondé, avec tout ton gouvernement, avec tous les émergents, avec les bongoïstes, parce que les bongoïstes et les émergents, vous serez humiliés. Donc, comment un pays organisateur, dès le premier tour, vous êtes éliminé. Il y a un problème. J'avais dit ça. Que nos morts le 31 août sont au stade. Nos morts pendant toutes les années, vous avez sacrifié les Gabonais dans les crimes rituels. Ils sont au stade. Vous avez vu
Ali Bongo, Sylvia Bongo, Sissé Ngolo, vous avez vu. Aubameyang, il a raté le but devant les poteaux. Ça veut dire nos ancêtres qui étaient là. Ceux qui ont vous avez sacrifié des années dans les crimes rituels étaient au stade. Le stade. Parce que vous êtes le stade est plein, tout les Gabonais, vous venez, tout cela. Vous êtes même, vous n'avez même pas conseillé notre boycott à la CAN. Obama y a raté le ballon devant le poteau. Devant les poteaux, Obama y a raté. Parce que le mort était là, les esprits. C'est un poème spirituel, c'est un poème mysticisme, notre tradition, notre coutume. Vous avez vu maintenant Bouanga. Bouanga. Il rate encore le ballon. La dernière minute devant les poteaux. Les poteaux sont là en face du rat. Nos boutis, nos coutumes, nos traditions, nos njobi, nos mouiri. Parce que ma mère était initiée dans le Djembé. Mes soeurs sont initiées. Donc j'aime nos cultures, je crois à nos cultures. Puisque moi-même, j'ai souvent assisté à nos veillées des boutis quand il y avait mes soeurs, mes cousines qui sont initiées. J'ai assisté souvent à ça. Coutume, je connais ces coutumes, je crois ces coutumes, je crois à nos ancêtres, nos coutumes dans les 9 provinces. Nos boutis, nos njobi, nos mouiri. Ali Bongo, tu ne feras rien. Même à Kombessi, si à Kombessi veut défier notre boutis, notre nzembe, notre tradition, à Kombessi va tomber. Toi, ici à Ali Bongo, tu vas tomber d'ici là bientôt. Tu ne feras rien pendant tout ça. Quand tout ce que tu feras, ça ne marchera pas. Parce que tout est spirituel. Tout est spirituel. Tu méprises un peuple. Tout ce que tu fais là, c'est spirituel. Tu méprises un peuple. Tu intimides un peuple. Tu passes le temps à enfermer tous ces enfants, tous les Gabonais. Et l'un de Washington en prison. Vous ne croyez pas que ces mères-là ne peuvent pas les enfants. Et toi, tu vas venir défier un peuple. Tu ne respectes pas ton peuple. On verra Ali Bongo, ta franc-maçonnerie. Et nos rythmes, nos traditions. Notre politique, notre Nzembe. On verra, tu ne feras rien pendant ce mandat. Tu vas tomber bientôt. C'est-à-dire, vous ne ferez rien. Votre truc de franc-maçonnerie, votre panthéon, vous ne ferez rien. On verra notre boutique, nos djembés, tous nos reliques, nos traditions, c'est spirituel, nos traditions. Donc, vous ne ferez rien. Vous allez tomber bientôt. Akombessi ne fera rien. On verra son vaudou et sa franc-maçonnerie. Vous allez tomber. Tous les émergents, vous allez tomber. J'ai dit à Total, le lobby français qui me soutient, à François Hollande qui était au courant des massacres que j'ai, des Gabonais qui étaient tués, tous ces morts que vous avez enterrés partout, partout dans le Total, les esprits là sont là, tous ces Gabonais vous avez sacrifiés partout dans le monde, dans des années, les esprits là sont là partout, au palais présidentiel, ils sont partout, dans les ministères, tout le Gabonais 9 provinces sont là, à François Hollande qui était au courant, à Manuel qui était au courant du massacre. Ils vont tomber bientôt. François Hollande est déjà tombé. Manuel va se tomber. Ou le lobby qui vous soutient, Ali Bongo. Le lobby français. Je dis bien le lobby français qui sont capables, qui vous soutiennent. Ils vont tomber. Tous ces génies, ces esprits, nos ancêtres, nos cultures, notre tradition, notre boutique, ils vont dire à ces esprits-là, va venir au cours d'eux. Ils vont tomber bientôt. Ils se sont gondés, tout ton gouvernement. On verra votre franc-maçonnerie, vos crimes rituels de fête et nos traditions, nos boutiques. Nous, Njobi, nous mourir, Ali Bongo. Quelle humiliation. Tu as été humilié. Maintenant, tu as conçu le stade. Qu'est-ce qui va apporter cette canne? Ou même pendant le match, les supporters, ils ont refusé d'assister au match. Ils ont fui. Mais quelle humiliation. Donc, tout l'investissement que tu as fait, ça ne sert à rien. Tout l'investissement que tu as fait, ça ne fait à rien. Vous n'aurez jamais résisté à notre tradition. Tout est spirituel. Votre voie spirituelle appartient à notre culture, notre réalité, notre tradition. Tout ton mandat, tu ne feras rien. Tout va jamais. Mais bon, tu vois, c'est bien.
Congo, tu es un président qui n'a pas la sagesse. Tu n'as pas l'intelligence. Un petit pays comme le Gabon, tu n'arrives pas. Ali Bongo, non mort, autant t'es un peu têtu là. Une tradition, notre culture. Toi, l'émergent, notre culture. Tous ces pygmées déjà sacrifiés à l'équipe. Ils sont là, là, là. Ils sont là, la présence. Tu seras humilié, j'avais dit ça pour vous. Parce que tu ne restes pas notre peuple. Tu ne restes pas notre peuple. Tu ne restes pas notre peuple. À bientôt. Vive la révolution, vive le peuple gabonais pour la tenace. Le combat continue.